Coucou, alors là je suis à mon lycée, j'ai entraînement de football américain dans 15 minutes, donc j'ai un peu le temps de vous faire découvrir mon lycée, de faire un peu le tour, de voilà, filmer les environs. Donc là je suis dans le parking qui est assez immense, il y a un match de football en ce moment, donc on pouvait sûrement entendre les gens, le commentateur et tout. Donc je vais vous montrer, là il y a le lycée. Donc on va rentrer dedans, faire un petit peu le tour. Donc l'entrée est juste là. Donc. Quand on rentre dans le lycée, on a une sorte de cafette où on peut acheter, manger, un poire et des distributeurs. On peut voir, il y a les bus jaunes juste là qui attendent les joueurs de football, fin du match. La sorte de resto. Donc là je suis rentrée à l'intérieur. Donc là en gros on a la salle où on mange. Juste ici. Il y a les filles qui s'entraînent pour une pom-pom girl. You can go. What is that for? My parents asked me to record like my everyday life in the USA. Oh, really? Yeah. That's cool. Do you miss home? Not really, but. Not really. Do you like it here? Yeah. Cool. What are you doing? Are you going to? We have a team dinner before football games. It's so tonight? We have a football game tomorrow night. Okay. So the day before, we always have a team dinner with each other. Oh, okay, that's cool. And where is the football game? He said it is at Anchor Bay. Okay, is it far? No, it's like 10 minutes, 10, 15 minutes. Oh, okay, that's cool. I already come, so. Okay, cool. Donc, on peut pas rentrer. Il y a les filles qui jouent au volley ici. Donc c'est le gymnase. Elles ont un match ce soir. Donc le gars qui j'étais en train de parler, c'est Franck. C'est un joueur de l'équipe de football. Il est hyper grand, il fait genre plus de 2 mètres. Enfin, il m'a dit sa taille en. Avec leur taille bizarre américaine, donc je sais pas trop exactement, mais je suis sûre que c'est plus de 2 mètres, il fait bien 2 mètres 10. Donc il est dans. Les personnes qui sont. Qui. En gros, il a été sélectionné pour être peut-être roi de la promo, enfin roi du bal de Homecoming. Donc ils sont 10 présélectionnés et ensuite on vote. Donc il y a 5 garçons, 5 filles. Et donc il est sympa. Donc voilà. En fait je connais. On peut pas rentrer, dommage c'est les vestes. Je vais essayer de rentrer par là. Si elles me tapent pas dessus les filles. Donc notre gymnase il est immense. Donc en fait la seconde barre, il y en a 3 comme ça. Donc là c'est les vestiaires des filles. Donc là c'est mon casier avec voilà un petit verrou. On a chacun un verrou avec nos affaires dedans.
Donc voilà, donc tout est en couleur de lycée gymnase, tous les t-shirts des filles. Donc les couleurs du lycée, donc c'est noir et or. Black and gold, so... voilà, en gros, on a beaucoup de t-shirts. Ils vendent des t-shirts au lycée, des t-shirts avec le nom du lycée. Donc voilà, des couloirs, donc c'est un peu tous les mêmes couloirs, je ne vais pas tous les montrer. Donc voilà, genre on a une ouverture dehors où les gens peuvent manger. Ça... C'est ici que je prends mon bus le matin. Donc le matin, Jimmy m'amène au lycée. Et du lycée, je prends le bus pour aller dans un autre lycée, pour aller à Lands Cruz. Donc les bus sont là d'habitude, ils nous attendent. Et donc je prends le bus là tous les matins. Donc je vais au lycée en bus, je vais jusqu'à Lands Cruz. Parce que mon lycée actuel, c'est Lands Cruz North. Donc c'est pas le même, c'est genre une extension du premier lycée. Oh non! Donc c'est fermé. Je vais essayer de passer par là, mais je crois qu'en fait on peut pas ouvrir de l'intérieur. Bon, c'est pas grave, je vais faire un petit tour pour montrer un petit peu comment c'est l'autre côté. Donc voilà, on va voir un petit peu l'extérieur. Donc c'est assez grand au niveau extérieur. Il y a des grands terrains de football américain qui sert aussi de terrain de soccer. Ils installent juste les cages en plus, mais ils gardent le même terrain. Il y a genre 8 terrains de tennis, plusieurs terrains de baseball, des terrains spécifiques pour s'entraîner, des terrains pour les matchs, et pareil pour football américain. Donc là, il y a des filles qui sont en train de s'entraîner au baseball. Je vois là-bas sur le terrain. Là-bas où il y a le grillage, c'est tout ce qui est terrain de tennis. Bon, du coup, vu que j'ai fait le tour, je vais aller voir le terrain de le match de football américain, donc où on pourra voir le grand terrain. Donc je vais traverser le parking. Donc c'est l'heure de mon entraînement là, donc bon, c'est pas grave, c'est juste 5 minutes de retard. Les Américains sont un peu tout le temps en retard. Puis de toute façon, on doit se retrouver vers le terrain. Donc. Voilà. Ah, j'ai pas montré la piscine, bon. C'est pas très très grave, peut-être dans une prochaine vidéo.
Donc, ah oui, et ici, donc, toutes les voitures sont immenses. Donc aujourd'hui c'est le match enfant, enfin c'est les Frenchmen, donc ceux qui ont 14-15 ans. Et il y a des énormes gradins. Et du coup le vrai match de football, enfin le vrai. Le match des seniors, ceux qui sont en terminale, c'est demain soir, comme m'a dit Franck. Enfin, ce qu'il vient de me dire. Il y a beaucoup de monde. Congratulations to both teams. Je vais peut-être pas y aller parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde et j'ai oublié ma carte. Enfin, j'ai pas sûrement parce que je paye le bon match. Normalement, j'ai genre une carte de passe qui fait que je paye pas pour rentrer. J'ai fumé de sur le côté. Ah, et les pom-pom girls juste là sont en train de faire des sauts. En train de mon côté. Genre la première mi-temps qui vient de finir, parce que c'est en plusieurs temps, enfin je comprends pas trop les règles, je sais qu'il faut amener le ballon de l'autre côté, mais niveau règles et tout, je suis pas au top, mais bon là ils ont fini, mais c'est pas la fin du match non. C'est genre en mi-temps, carton, je sais pas trop quoi. Ah, et tout le temps des matchs de football américain, il y a de la musique, là je sais pas si vous entendez. Ah, il y a les filles juste là avec qui je vais jouer. Ok.
Donc on va aller s'entraîner. Il y a les filles qui sont là, donc on... Il y a Franck qui est là, comme je disais, il est super grand. Enfin bref, bon voilà, alors je vais aller m'entraîner, donc je vous laisse. Je ferai d'autres vidéos, je vous laisse un peu plus approfondie pour montrer 2-3 trucs, peut-être la piscine, plus les couloirs, les cours, comment ça se passe et tout. Voilà, bisous.